Yo les gars, dans cette vidéo, on va tout simplement prendre les rênes du Real Madrid pendant 3 saisons où on n'aura pas le droit de réaliser le mercato. Donc on va jouer sans mercato, donc on va garder l'équipe du Real Madrid de cette année et on va jouer avec eux 3 saisons. Donc voilà à quoi ressemble l'équipe. Donc c'est parti, on a les derniers transferts pour précision. Donc il y a Bellingham, il y a Fran Garcia, etc. Il y a Kepa, il y a José Lu, mais c'est tout, on n'a plus le droit de réaliser de mercato. On doit jouer avec cette équipe. On peut prolonger des joueurs, mais on peut pas en recruter des nouveaux. Donc let's go pour commencer directement à simuler. Donc voilà, on peut comme je l'ai dit prolonger des joueurs. Donc on va pas se laisser des joueurs partir librement, sauf si ils veulent vraiment partir et on peut rien faire pour eux dans ce cas là mais sinon maintenant on peut prolonger des joueurs, par exemple Mariano, etc. On pourra les prolonger pour respecter du coup le challenge. On aura justement ni le droit de prêter ni le droit de recruter. Aussi, dernière précision avant de commencer de simuler les gars, j'ai tout simplement mis les derniers groupes de la Ligue des Champions. Donc on se retrouve dans le vrai groupe du Real Madrid de cette année. Donc si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait pour faire tous les vrais groupes, vous cliquez sur cette vidéo et vous mettez tout simplement les vrais groupes. Donc je vous mets le lien dans la description et nous sans plus tarder on simule la première saison. Donc voilà les gars, on a terminé de simuler la première saison et on se retrouve tout simplement en Liga deuxième, en Supercoupa. On a perdu la finale donc pour cette première saison sans Mercato. En Coupe d'Espagne, c'est le Barça qui l'a gagné 2-1 en finale. Nous, on s'est éliminé donc pas en 16e, en 8e de finale face à Las Palmas. Au tir au but, malheureusement, donc on perd la Coupe d'Espagne en 16e de finale. C'est dommage. Au niveau de la Supercoupe de l'UEFA, parce que oui, on l'a joué, donc on l'a gagné 2-1 face à Francfort. Et la LDC, elle est toujours gagnée face à par City face à l'Inter, comme dans la vraie vie. Sauf qu'on a eu la même finale que dans la vraie vie. Nous, dans notre phase de groupe, on s'est qualifié premier de notre groupe avec Napoli, Braga et comment il s'appelle, Union de Berlin. Donc on a terminé avec 15 points. 8e de finale, on a éliminé Slavia Prague, donc 4-1 sur les deux scores. En quart de finale, on a éliminé Benfica 5-1. Et malheureusement, en demi-finale, on se fait éliminer face à City. La surprise aussi de la compétition, c'est Newcastle qui a terminé sa compétition en demi-finale. Newcastle qui est passé dans le groupe de la mort. Hein. Ils sont passés premiers dans le groupe de la mort. Le PSG qui a terminé dernier du groupe. Franchement ça me choquerait pas si ça arriverait dans la vraie vie. Donc voilà à peu près pour ce qui s'est passé en LDC pour cette saison. Au niveau de l'UEFA Europa League, c'est l'Ajax qui l'a gagné. Et la Conference League, c'est Florentina qui l'a gagné. Donc on a eu la même finale que dans la vraie vie, sauf que c'est Florentina qui l'a gagné cette fois-ci. Au niveau des statistiques du coup pour cette première saison, on retrouve tout simplement en meilleur buteur du coup José Lu, 24 buts, 3 passes D, c'est pris à moins de 2 malheureusement. Vinicius derrière lui avec 22 buts et 8 passes D, aussi une très belle saison pour Vinicius. Valverde aussi qui nous fait une belle saison et Bellingham qui réalise une belle saison, qui se prend en plus 3, mais pas aussi fameux que ce qu'on attend d'un Bellingham, quoi, qu'on a recruté pour 100 millions d'euros comme dans la vraie vie. C'est parti du coup pour simuler la deuxième saison. Donc les gars, voilà pour la deuxième saison en Liga. Du coup, on a tout simplement gagné le titre avec 89 points devant le FC Barcelone de 4 points. Au niveau de la Supercoupa, ok pardon, donc j'ai dit on a terminé premier. Et au niveau de la Supercoupa, on a tout simplement perdu en finale face au Barça. On perd beaucoup nos matchs sur des séances de tir au but malheureusement. Mais c'est pas grave, on a atteint quand même la finale. Au niveau de la Coupe d'Espagne, c'est Séville qui la gagne. Nous, on s'est fait éliminer face à la Real Sociedad en 8e de finale, comme la saison dernière. Au niveau de la Ligue des Champions, la compétition la plus importante. En phase de groupe, on s'est qualifié deuxième de notre groupe avec égalité de points avec Dortmund. On a perdu un match et ils ont perdu un match. Donc voilà, dans un groupe pas si facile que ça, hein. On a Rangers et Galatasaray dans le groupe. En 8ème de finale, on a tout simplement éliminé Manchester United 3-2 sur les deux scores pour aller en quart de finale. Au niveau des quarts de finale, on a battu Feyenoord pour aller en demi-finale. Donc jusqu'à présent, on a atteint le même stade que la saison dernière, sauf que cette fois-ci, on a gagné face au PSG 4-3 et l'incroyable surprise de la compétition, Porto qui se qualifie en finale. Et du coup, la finale face à Porto, on la gagne 2-1 et on a gagné la Ligue des Champions en réalisant aucun mercato.
dès la deuxième saison. Donc, comme vous le voyez, on a gardé exactement la même équipe. On n'a eu aucune nouvelle recrue. Le meilleur buteur, c'est simplement Vinicius Junior. 33 buts, 6 passes D. Incroyable saison de Vinicius. Valverde aussi, avec 25 buts, 13 passes D aussi. Une incroyable saison pour Valverde. Et Bellingham, avec 17 buts, 9 passes D. Plus 2 pour Bellingham, qui a 91 et qui mène l'équipe, du coup, lui et Vinicius, au titre. On a Kroos qui perd... Dès notre général, Tchouaméni prend plus 3 aussi, incroyable saison. Pour Aurélien Tchouaméni, le milieu de terrain français. Comme vous voyez, comme je vous l'ai dit, on a gardé la même équipe, on a 0 joueur. Bon, Rossilou est passé sur le banc, car il a 75 de général. J'ai préféré mettre Bellingham en faux 9. Donc voilà, on a gardé exactement la même équipe, 0 recrue. Donc comme vous le voyez, donc voilà, c'est parti nous pour simuler la troisième saison. Du coup, pour voir ce qu'on va réaliser. Donc, c'est parti. Donc voilà les gars, pour la troisième saison, on a terminé malheureusement deuxième du championnat derrière Séville d'un point. C'était très serré, vous voyez le top 4 en tous, 79 points. Tout le monde pouvait gagner le championnat jusqu'à la dernière journée. Malheureusement, on l'a pas gagné. Ce championnat-là qui est gagné par Séville, incroyable surprise, Séville qui gagne le championnat. Au niveau de la Supercoupa, on a encore une fois perdu au tir au but face au FC Barcelone. Comme à chaque saison, on perd tout le temps au tir au but face au FC Barcelone. Au niveau de... la Coupe d'Espagne, cette fois-ci, on l'a gagné. On avait éliminé Villarreal en demi-finale 6-3. On a éliminé Séville en quart. En 8e, on a éliminé l'Atlético. En 16e de finale, on a éliminé Valence. Donc, on a eu un parcours très compliqué, mais on l'a gagné quand même. Au niveau de la Supercoupe de l'UEFA, on l'a gagné face à l'AC Milan. Donc, pour jusqu'à présent, c'est une très belle saison pour nous. Et en LDC, on a terminé 2e encore une fois de notre groupe où il y avait Porto et Dortmund. Donc, Porto qui avait atteint la finale la saison dernière, on terminait 4e du groupe. C'était un groupe pas si facile, on a terminé quand même avec 9 points, on pouvait se faire éliminer. Heureusement, on s'est qualifié pour les 8e. Au niveau des 8e de finale, on a tout simplement terminé en 8e de finale de notre parcours quand on s'est fait éliminer au tir au but. On a toujours eu des problèmes au tir au but. C'est Manchester City qui a tout simplement gagné ce titre-là. Donc voilà, pour cette troisième saison, on va essayer de simuler encore deux saisons et voir ce que l'équipe va réaliser. Bellingham qui termine meilleur buteur avec 92 de général. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, on risque de se faire virer, on est dans le rouge. J'espère pas me faire virer à la fin de saison, pour que je puisse continuer avec l'équipe encore deux saisons. Si on se fait virer, bah, c'est comme ça, hein, et la vidéo se terminera ici. Mais jusqu'à présent, on a quand même gagné la LDC, une seule LDC, donc pour le Real Madrid. Pas comme avec le PSG, on s'était fait virer à la deuxième saison, je crois. Donc cette fois-ci, avec le Real Madrid, on a terminé champion de Ligue des Champions dans la deuxième saison. Donc c'est parti pour simuler du coup. Et voilà les gars, ce qui devait arriver arrivera. On se fait malheureusement virer du Real Madrid juste avant la fin de saison. Donc on avait terminé la saison, mais genre juste avant la fin de l'année, quoi, juste le 30 juin, on s'est fait virer, on s'est fait limoger. Donc bon, c'est comme ça, c'est dommage. Si la vidéo les gars vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Sinon moi les gars, je vous dis ciao.